Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, quel que soit côté branché, nous saluons très fort. Bienvenue dans Vladi News. Mais quelqu'un point nous pral développer pour vous jeudi. Ancien président Donald Trump pral créer propre média social li dans environ 2 à 3 mois qu'ap vini là, selon un communiqué de Jason Miller, yon ancien conseiller président Donald Trump. Yon adolescent volé plusieurs mille pesos ak plusieurs dollars américains nan yon chapelle l'église catholique nan Dajabón. Gouvernement dominicain annoncé yon pral achete zam illégal nan men civil yo nan kek jou kap vini la. A pati de 1er juin kap vini la, gouvernement dominicain pral bay chak automobiliste yon numéro identification individuelle à qui on gilet, yon façon pour yon capable identifier yon et mettre bon gens contrôle dans circulation. Yon jeune garçon mouri dans affrontement avec agent DNCD dans Babaro. Ces points sa yon à divers lot n'a gagné pour nous développer pour vous dans Vladi News. Rete connecté, pas débranché, pas oublié ou même qui poko abonné avec channel YouTube Vladimir Michel là, abonné avec lui parce que c'est sous channel ça va bien pour suivre Vladi News chaque le nous même nous a publié vidéo yo. Selon sa ancien conseiller, ancien président Donald Trump, président des États-Unis, li fait konnen journée dimanche 21 mars 2021 sous Fox News. Ancien président Donald Trump gen pou le retourner sous médias sociaux yo après que nous connaissons plusieurs médias qui ont sanctionné monsieur ça, mais fois ça l'a tourné avec propre plateforme li côté que li pral gagner pou le claironner. N'a pas rappelé que Donald Trump lui-même son président Twitter, Facebook et plusieurs autres médias t'étant sanctionné monsieur ça bien qui t'est retiré définitivement sous plateforme yo. Eh bien pour kounya la poko gen trop information sous nouveau projet ça ancien président États-Unis Donald Trump lui-même li gagné seulement ancien conseiller li Jason Miller li fait connaître gen gwo rankonte ki te fèt la kay Donald Trump pou diskite sou tout disposition k'ap genyen pou pran nan mwens ke 3 mwa pou platform sa li menm li kapab disponib pou plizye dizen de milyon moun kapab fè konesans avèk platform sa nan tout monde la. Nenpòt evolisyon ki genyen n'ap gen tan fò sa, n'ap gen fò konnen sa nan Vladi News. Yon adolescent volé plusieurs mille pesos ak dollars américains nan yon chapelle l'église catholique nan Dajabón et bien nan province Altagracia. Agent police nationale dominicain arrêté yon adolescent de 16 ans ki yo tap cherché couche fou après li ti rentré nan yon l'église catholique ki se Nuestra Señora de la Altagracia qui trouvait li nan municipalité Loma de Cabrera côté li te volé 35000 pesos ak $850 américains nan yon boîte qui te gen l'argent l'église la. Eh bien nan moment arrestation an police enquête yo joine 8150 pesos ak $50 américains nan men adolescent pour quelques raisons juridiques enquête yo pas révélé non adolescent ça. Selon yon rapport la police fourni nan moment yo t'a pas posé tigène adolescent li même question c'était en présence hein, maman li avec représentant ministère public li fait konnen ak l'agence a li acheté ak l'agence a li te volé hein, li acheté plusieurs pièces moto et il te fait un frère cadeau 12000 pesos. Selon même enquête la police yo t'a pral mettre la patte sous adolescent après que caméra
paroisse là t'as pral identifier exactement c'était ti jeune ça lui-même qui t'apprend l'argent adolescent gagné pour le présenter dans jeu cap venir là yo dans tribunal garçon ak fille et adolescent poursuite nécessaire. Gouvernement dominicain annoncé yo pral acheter zam illégal dans mes civils yo. Président Luis Abinadel indiqué à partir de 6 avril cap venir là dans un communiqué li adressé journée lundi 22 mars là dans palais national gouvernement lui-même li fait connait yo pral commencer acheter zam illégal dans mes population civile là yon manière pour yo réduire ak violence ak zak criminel nan mitan population dominicaine. Président fait konnen zam sa yo pral acheter pour yo capable détruire et pour yo capable rendre population li même rale yon souf et zam yo y a détruit yo yo pap kite zam sa yo en utilisation encore yon façon pour pas gagner tête chargée pour pas retourner sous béton. Dans même note si la président fait connait yo pral transformer police là, y a fait l'avenir yon institution totalement numérique pour li capable collecter à canaliser efficacement et prend bon genre décision basée sous information fiable. Sous 238 000 âmes qui enregistrées dans le pays République dominicaine, seulement 50 000 qui gagné yon permis selon même communiqué. À partir des 1er juin qu'a venu là gouvernement dominicain pral bay chaque automobiliste yon numéro identification individuel à qui yon gilet. Président Luis Abinadel a fait connait à partir des 1er juin qu'a avancé là tout automobiliste en République là pral commencer utiliser gilet à qui yon numéro identification individuelle yon manière pour yo capable diminuer véhicule sans permis pour yo poser alors véhicule sans permis ça yo cap poser zak malhonnête dans République là. Même processus ça été utilisé dans Amérique là ak nan continent asiatique là qui té poté en pile succès selon Luis Abinadel. Dans même communiqué ça Luis Abinadel indiqué policier routier yo pral gagner yon bon genre équipement pour contrôler vitesse trafiquant yo et yap capable communiquer entre yo grâce à yon système radio communication mais ça a permettre réduction quantité accident sous toute route nan pays ya. Yon jeune garçon mouri nan affrontement ak agent DNCD nan Babalo. Roberto Abela Perez se non yon jeune garçon ki mouri nan toke kou zam ak agent DNCD yo ki se Direction Nationale du Contrôle des Drogues selon yon communiqué pou la presse responsable zone touristique la nan Babalo li même li mette de yon journée 22 mars 2021. Opération sa te tanmen nan weekend nan kote yon agent unité DNCD tapral la mete dominanje et jeune garçon sa ki li même ki selon yon même si ta yon trafiquant drogue nan Babalo province de Altagracia. Yon situation que nous même nap suive mais nap rappele ou nan moment ti genye, alors agent yo joine yon pistolet 9 mm ak yon poudre qui semblait tête coupée avec poudre cocaïne côté que eh bien jeune garçon ça lui-même li té en possession. Consommation viande poule ak zé poule réduit à plus que 50% pendant coronavirus là nan République Dominicaine. Selon yon communiqué association éleveurs dominicains yo mete liyo pendant pandémie an, eh bien gen gros ke kase surtout nan secteur avicole lan côté que cause ça li même li bay gros ke sauté secteur avicole lan li fait konnen que eh bien gen en pile réduction ki fait pendant moment
coronavirus. D'après rappelons que secteur avicole là représentait plus de 730 millions de dollars américains chaque année dans l'économie dominicaine. Il y a plus passé 100 000 travail direct et indirect. Mais la pandémie a changé la réalité. Ça qui rend plusieurs femmes commencer à fermer porte, plusieurs employés rentrer la caillou qui donc yo nan chômage pour moment n'a pas l'air. Kounya la et qui moun sa yo nan chômage pour moment n'a pas l'air. Situation si la lagué gros kè sauté dans population si tout nan communauté éleveyo nan République Dominicaine selon déclaration Juan Lucas Alba qui c'est président association éleveyo dans la République dominicaine. Dollar américain continue à perdre pied li devant peso dans la République dominicaine. Taux échange dollar continue à baisser en République dominicaine selon Banque centrale pendant COVID-19 là. Taux échange lan t'est passé de 53.54 pesos à 58.46 pesos pour yon dollar américain nan fè mwa jiyea. Mais pour moment n'a parlé là, je vous dis que c'est lundi 22 mars 2021 et bien taux li même li baissé pour kounya la ou a besoin seulement 57.23 pesos pour yon dollar américain. N'ap kite République Dominicaine, nous pralé en France pour nous dire où près de 125 000 foyers dans Paris, dans ville Paris, et ben yo même yo trouvé yo temporairement sans électricité. Eh bien, yote trouvé yo temporairement sans électricité pour journée lundi 22 mars 2021. Eh bien, problème ça li même li tapral approché. Eh bien, c'est yon cause yon problème, yon panne qui te gagné, mais poko gen anyen qui révélé qui panne qui te gagné d'après réseau transport électrique là. Dans pays les États-Unis, plus passé 6 millions de doses vaccins contre coronavirus getan distribué pendant week-end. Eh ben, rappelons que pays les États-Unis l'a approché vers 15% individus qui getan vacciné. Yon nouveau variant de coronavirus yo détecté dans pays Belgique. Alors responsable yo détecté dans pays Belgique, yo nommé li B1 214 qui représentait déjà 4% de contamination dans pays ça. Eh ben n'a rappelé où pays ça lui-même qui c'est la Belgique coronavirus lui-même li continuer à bail problème même genre dans tout l'autre pays où coronavirus là a bail problème surtout les nous prend pays les États-Unis, pays Brésil, ici dans République Dominicaine également coronavirus li continuer à bail problème. C'est toute information nous t'ai porté pour dans Vladi News pour premier numéro nous restez connecté sur channel Vladimir Michel là pour capable joindre toute dernière information surtout information dans pays étranger c'est là où on joindre nous restez connecté ensemble avec nous invitez amis ou branchés invitez contact ou branché pour capable toujours joindre toute information yo bye bye tout le monde n'a croisé pour un autre numéro Vladi News.